à tous et à toutes, c'est Frandix 5 et Baba Toto. Salut Bastien. Salut Arthur. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur, en mêlée générale, sur la map High Rise. En mêlée générale, donc on va. Peut-être à débloquer un truc. Pour une banlieue. Donc, hop, titre. Attends, je regarde ce qu'il y a. Tango, Chali, c'est personnel, Vagabond, oui. Pourquoi ça? Suicide. Ah, ça commence. Donc on sera dans Terminal, une map que je vais tester le Scarash. Nous allons faire 5 minutes chacun. Bon, nous allons jouer 5 minutes chacun. Donc je vais jouer avec le Scarash parce que franchement, attendez, je vais être obligée de bouger un tout petit peu parce qu'on voit pas tout l'écran. Avec le Scarash parce que franchement c'est une très bonne arme. Donc on va changer toutes les 5 minutes, hein, à la fin de la 5ème minute, et ben c'est Baba Toto qui va jouer. Et je me prends le premier son déjà. L'autre qui connaissait déjà parfaitement bien la map. J'étais au Scarash aussi et pourtant c'est lui qui m'a eu. Donc on est en viseur laser. Hein. Baba Toto qui va jouer après à l'intervention. Je vais juste faire un kill avec ça. Voilà. Ah. Oh, je vais me mettre à l'intervention. C'est une arme beaucoup mieux. Alors, il y avait les USP-45 qui étaient. C'est sûr que j'allais pas. Oh. Ils jouent tous à la mitraillette. Ouais, franchement, mais ça me dégoûte. Comment ils peuvent jouer à la mitraillette avec un aussi bon sniper, franchement. Regarde ça, je me mange un manche patate. J'étais en train de lui tenter des quickscopes. Déjà, les quickscopes ils sont pas rentrés. Et en plus, je me mange un lance patate dans la gueule. Oh, tiens, toi je vais te faire un lance. Et un commando. Un commando. Évidemment, il n'y a que ça dans ce jeu. Je le lis dans toutes mes vidéos, je sais, excusez-moi, mais. Oh, le lance-scope balayage. Magnifique, je me vois. Oh, et il m'avait pris en brochette de toute façon. Je vois qu'on va être très près de ses amis. Mon ami là, la FMJ marqueur à travers la fenêtre, j'arrive pas à la voir. Le scope et je me pète. Très belle action, franchement. On va aller voir à l'intérieur de tout l'avion. Je me tiens dedans, je ne veux pas. Je me fais en direct vers le cockpit. Il n'y a personne dans l'avion. Je vois un ami là. Oh, comment ça. Et je me fais tuer. Ouh, bien joué, franchement. Par rapport à. Non, c'est pas évidemment. L'autre, et je me fais tuer. En fait, tu vois, Arthur, tu vois, quand tu tires, le bouche pas. Quand tu bouges, tu vois, son titre, ça fait balayage. T'as vu le scope que j'ai mis? Non, bah, tu vois, quand tu bouges, voilà ce que ça fait. Mais là, ils étaient trois autour de moi en même temps. Mais si, il faut absolument balayer. Tu vas voir. Tu vas voir sur cette séquence-là. Là, j'ai tenté un balayage. Non, M16, mais franchement, encore ça va. La c'est les nous, c'est par contre, rapace. Oh non, comment on fera tout ça? Mais franchement, ils jouent tous à la mitraille. J'ai vu encore personne qui joue au sniper. Je fais du 4-12, évidemment. En fait, je l'avais eu le train tout à l'heure. Il était juste en baron. Non, mais on peut pas, mais non. Tiens, mange ton. Il dit où? Même. Alors c'est pas là. Même on peut pas avoir dans le. J'avais fait un balayage. Bien sûr. Non, mais je l'avais eu en quick scope. Allez, hop. Oh là là. Voilà, c'est au moins je t'ai vu. J'ai vu, il y a tout le temps en fait. C'est une très bonne arme. Oh, commando. Massacreur de noob. C'est toi le noob. Que tu l'avais pas remarqué, un magnifique. Tu vois, ça sert le balayage. Oh, le commando E-cross de map, on va dire. On pourrait dire ça. Regardez, je vais tenter, parce que regarde là, c'est tout ce qui passe là-dedans. Je vais tenter un truc professionnel. Non, ça ne rentrera jamais. Marqueur, baron d'honneur.
Magnifique. Oh là là. Magnifique. On va retenter un. Arthur qui assure hein, au milieu de ce petit trio. Non, il se fait en route. Oh, évidemment. Headshot, headshot. Oh, non, ah, un ennemi. Putain, drôle. Oh, je suis repassé devant, hein, franchement. N'avance pas, Arthur. Il rentre. Ah. Oh, il part derrière et hit marqueur, évidemment. Toujours la même chose, hein. Calotte ici. Je ne comprends pas. Comment il faudrait supprimer les marqueurs. Et voir même les coups de couteau. Dommage. Pour un FMJ. Oh, marqueur FMJ. Il était en baron, on lâche le couteau. On va recharger, hein. On va tiens, un drone. On va tirer. Assez. Par rapport à Black Ops, c'est 4 victimes le plus stratégique que je viens de remarquer. Oh, il y en a un ennemi, ça m'a l'air. C'est un petit peu moins bien aussi ce qu'on a dedans. Parce que Black Ops, on peut avoir l'artillerie du coup. Oh alors que dans le collier, je ne crois pas que nous pouvons avoir un bombe nucléaire. Ou un Apache. Ouais, une bombe nucléaire, franchement, ça serait énorme. Bon, c'est pas sûr. Marqueur. Oh non. Et voilà, et je me... Quel dommage. Ah oh, si, c'est en bas. Oh, il est bien. Je me fais voler tous mes skins. Alors là, ça, là, il y a un brouillard. Je connais pas du tout la map. J'aime bien. Dream. Oh, c'est la frag movie de Gabriel. De... Ouais, et... Oh. Ça, il a achevé. De bande d'honneur. Donc j'ai fini avec un score de 11-19, qui n'est vraiment pas très bien. Mais... J'aurais mis au moins le kill du cockpit sur celui qui était en barre. Et j'étais pas loin du kill cam. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus. Abonnez-vous.